Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à maintenant. On peut dire que Dieu est bon pour nous. Je ne sais pas s'il y a de la pluie, mais je pense que ça s'est arrêté. Donc, oui. Tantôt, on a eu un petit peu de la pluie de l'arrière-saison. Et ça va se continuer pendant ce camp. Et si vous êtes venu ici pendant ce camp, c'est pas par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, parce que Dieu dirige toutes choses. Parfois, on ne le sait pas que c'est Dieu, mais si on se sent appelé ou attiré, c'est parce que c'est Dieu qui nous guide. Vous êtes d'accord avec ça? Et aujourd'hui, bien, il y a un message pour vous que je veux vous livrer, que j'ai dans mon cœur, et c'est pour la préparation pour la fin des temps. Parce que ce que vous avez vu sur la publicité, c'est « Jésus revient bientôt ». On a ajouté « très bientôt ». Parce que vraiment, on est à même de voir les signes dans ce monde qui nous montrent que la proximité de son retour, c'est imminent. Donc, on peut vraiment dire très bientôt. Et on se rend compte qu'il y a une préparation pour le retour de Jésus que Dieu nous montre dans les Saintes Écritures. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il revient bientôt et qu'on doit se préparer. Donc, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Dieu veut nous parler à tous et à moi aussi. On a besoin d'une préparation spirituelle, et c'est pour ça que Marlin est avec nous. Il y a 4 messages qu'il va nous présenter, et les 3 prochains vont nous parler de la pluie de l'arrière-saison. Donc, quand vous prenez ce petit livre qu'on vous a donné à l'entrée vers Jésus, en fait, c'est le plan du salut en Jésus. Si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous encourage vraiment à le lire, mais vous avez la repentance, la confession et l'abandon à Jésus, etc. Vous avez tout le plan du salut. Ça, c'est le côté spirituel qu'on a vraiment besoin de bien comprendre. La Bible nous dit, nous parle de l'importance de la relation avec notre Père Céleste, puis d'avoir une relation avec Lui. Moi, quand j'ai commencé comme chrétien, on me dit, Sébastien, vous avez une relation avec Dieu. C'est quoi, ça, une relation avec Dieu? Comment ça marche? Puis de plus en plus, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'il faut qu'on découvre chacun pour soi. Puis d'avoir vraiment, de parler avec Lui comme si c'était un ami. Le côté spirituel est très important. On nous dit, priez sans cesse. Puis on comprend qu'on ne peut pas prier tout le temps. On ne peut pas être toujours à genoux en train de prier. Mais on a compris que, dans le fond, c'est être sur le bon poste. Tu sais, quand ceux qui connaissent les vieilles radios, là, quand tu es entre 2 postes, ça fait quoi? Quand ça ne s'entend pas bien. Mais quand tu trouves le bon poste, bien, garde-le. Si tu as trouvé le bon poste pour comprendre Dieu, tu reconnais que c'est Lui qui te parle. Puis je sais qu'il vous parle à vous tous. C'est juste des fois qu'on ne sait pas que c'est Lui. Mais trouvez le bon poste, puis après ça, bien, ayez ce canal-là toujours ouvert avec Lui. C'est comme le poste de police qui est en contact avec tous ses policiers. Hein? Jamais ils ferment leur radio, il faut créer un contact. Et c'est la même chose pour nous. On veut toujours rester en contact avec le grand chef en haut, hein? pour recevoir ses directions, être guidé par Lui constamment. Et Dieu veut nous sanctifier, veut nous purifier, c'est la partie plus spirituelle. Il veut dans le fond que nous, on se rende compte qu'on est des enfants de Dieu, puis que notre rôle, c'est de blanchir sa réputation parce que Lui est accusé par l'ennemi devant l'univers. Et on a ce mandat-là de blanchir sa réputation par la vie qu'il va nous donner, la vie qu'il veut qu'il soit en nous. On a vu aussi avec Nathalie la partie de ce qu'il veut faire avec notre mental. Ça, c'est les vigiles matinales le matin. Je remercie Nathalie pour le message de ce matin. C'était très intéressant. Je vous invite à être là aussi pour les autres matins. Tout est enregistré aussi, hein? Fait que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver les messages. Si jamais vous avez manqué la vigile matinale de ce matin, vous allez pouvoir la retrouver dans les prochains jours. Bien, laissez-moi le temps de les mettre sur YouTube. Ça va être probablement la semaine prochaine. Et l'importance du lobe frontal, l'importance de ce qui entre en nous par notre cerveau, tout ce qui peut affaiblir notre lobe frontal, notre communication avec Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait étudier puis comprendre. Mais aujourd'hui, moi, cet après-midi, ce que je voudrais vous présenter, en plus du côté spirituel puis du côté mental, je voudrais vous parler du côté physique.
comment notre corps peut, qu'on devrait le préparer. Donc, c'est un peu ce que je voudrais vous présenter cet après-midi. Est-ce qu'on devrait faire des push-ups pour se préparer? Des redressements assis? Vous dites ça en France, des push-ups? Des pompes. Des pompes. Ah oui, les Français disent des pompes, c'est vrai. T'es à côté de tes pompes, oui, c'est vrai. Mais on peut faire des redressements assis. C'est ça qu'on devrait faire, apprendre à courir plus vite pour se sauver? Est-ce que c'est ce genre de préparation-là qu'on devrait avoir au niveau physique? Non, hein, pas tellement. En fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est... Parce qu'on va voir quel genre de préparation on devrait avoir, mais est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Oui, j'ai des gens qui déjà nous disent oui, qui ont l'air avec, ils disent avec assurance, c'est merveilleux. Saviez-vous que Dieu a fait de son peuple un peuple de sacrificateurs? Alors là, peut-être, Sébastien, tu nous parles de quelque chose qu'on ne connaît pas. Sacrificateur, c'est quoi? Mais dans le temps des Hébreux, Dieu leur avait révélé le plan du salut par le temple. On appelle aussi le tabernacle. Là, il y avait une tente d'assignation, il y avait un endroit où Dieu voulait rencontrer les humains par ce moyen-là, en modèle du véritable tabernacle, temple qu'il y a au ciel. Puis les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il y avait comme rôle, eux? C'est eux qui représentaient le peuple. C'est eux qui étaient les médiateurs, on va dire, bien, ceux qui avaient le lien de faire... Ils faisaient le lien entre Dieu et le peuple. Il y avait des services à faire dans le temple. Je ne vais pas aller trop loin parce que ce serait toute qu'une étude. D'ailleurs, on a passé 5 mois à l'église Agapé Libre à étudier ce sujet-là du sanctuaire. Mais sachez que la Bible nous montre qu'on est appelé à être un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Au service. Bien, on est des gens qui sont au service des autres pour Dieu, pour le peuple. Amener au monde ce que Dieu veut amener au monde. C'est par notre entremise qu'il veut le faire. Et je vais vous montrer ça par les Saintes Écritures, qu'on est un peuple sacrificateur. Et ici, dans les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit, et qui a fait de nous un royaume de quoi? Les sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Un autre verset nous dit la même chose. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et un autre passage aussi qui est en dehors de l'Apocalypse, dans 1 Pierre 2,9, nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le peuple de Dieu est appelé à être un peuple de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. C'est quoi ça, un sacerdoce royal? Ça fait référence à la fonction du prêtre, le sacerdoce. Tu sais, on dit les habits sacerdotaux. Hein? Les prêtres avaient un habit très réfléchi que Dieu avait donné. Il y avait une signification pour chaque élément. Puis un sacerdoce royal, parce qu'on a un grand roi, notre Dieu du ciel est le roi des rois. On a la fonction du prêtre. Et si on regarde un peu c'est quoi la fonction du prêtre, c'est fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. On avait dit le service tantôt, un prêtre est au service du peuple. Nous sommes donc appelés à être des prêtres. Peut-être que vous n'avez jamais vu que vous étiez des prêtres, des sacrificateurs, mais vous comprenez la symbolique que Dieu veut nous donner. Hein? On peut être des intercesseurs auprès du peuple. Dieu nous a donné, par les Saintes Écritures, des révélations qu'on ne peut pas garder pour nous. On veut les transmettre aux autres. Et qu'est-ce que Dieu demande à des sacrificateurs? C'est ça qui est intéressant. À ceux qui ont la fonction d'être les représentants de Dieu sur cette terre, auprès des hommes, Dieu demande une consécration, une pureté à ces gens-là, à ces sacrificateurs-là. Et peut-être que là, je vais vous amener quelque chose de nouveau pour vous. Puis, je me dis, est-ce que j'en parle ou pas? Mais je me dis, le temps est court. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Et vous en ferez ce que vous voulez. Mais je veux vous amener que les sacrificateurs devaient avoir une vie qui soit consacrée, et de plusieurs manières. Mais je vais vous amener quelques-unes des manières. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la préparation du corps avec ça. Puis pour ça, on va aller voir l'histoire de Nadab et Abihu. Qui sont Nadab et Abihu? C'était les fils d'Aaron. En fait, il y avait plusieurs fils, mais c'était, je pense, les deux aînés, si je ne me trompe pas, de Aaron. C'était le frère de Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Puis Moïse, il y avait une révélation de Dieu par rapport au temple, au sanctuaire qu'il devait faire, qui était le plan du salut.
Puis, il devait y avoir des sacrificateurs qui officiaient dans le temple. Et Aaron était le premier grand prêtre qu'il y a eu. Après, les Hébreux, il y a eu des grands prêtres qui ont suivi, toujours dans la lignée de la tribu de Aaron, des Lévites. Et Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron. Et là, on va avoir une petite histoire par rapport à Nadab et Abihu. Vous allez voir, c'est une histoire peut-être qui va vous choquer par rapport à ce que Dieu va faire. Mais Dieu veut nous enseigner à nous aujourd'hui. Tous les textes qu'il y a eu dans les Saintes Écritures sont pour notre révélation à nous aujourd'hui. Ces histoires-là ne sont pas là pour juste être des belles histoires qu'on lit, puis que non, c'est pour nous. Allons voir, dans Lévitique 10, il est écrit, « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » C'étaient des sacrificateurs. Ils étaient les représentants de Dieu pour le peuple. Dieu avait donné des ordres très précises. Et on ne s'approchait pas de Dieu de n'importe quelle manière. Et Dieu voulait nous enseigner à nous, par ce sanctuaire-là, des choses très précieuses pour nous aujourd'hui. Et il y avait un feu que Dieu lui-même avait allumé dans le parvis, là où il y avait les sacrifices qui étaient faits d'un agneau chaque matin, chaque soir, et tous les sacrifices qu'il y avait. Vous savez que l'agneau représentait Jésus, hein, qui devait mourir un jour. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices, parce que Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il ne devait pas prendre n'importe quel feu pour allumer dans le lieu saint. Il y avait l'autel des parfums, il y avait aussi le chandelier. Il devait prendre le feu qui venait de l'endroit où Dieu avait allumé lui-même, un feu qui venait du sanctuaire. Pas un feu étranger qui venait de leur tente à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont pris un feu étranger. Dieu n'avait pas demandé de faire ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lit les cœurs. Dans ça, c'est là, c'est fini. Il savait que pour eux, c'était... jamais plus ils allaient se tourner vers lui. Et il a décidé de mettre son jugement sur eux pour donner une leçon à cette tribu-là des Lévites qui avaient la charge d'être des sacrificateurs, puis à nous aussi aujourd'hui. Donc, pourquoi ils sont morts d'un coup? On va aller voir, parce que dans les versets qui vont suivre, Moïse va amener la raison. Dieu va le révéler à Moïse, puis il va nous donner la raison. Et je pense même que c'est Aaron qui va avoir la révélation. Ici, dans le verset 8, « L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, qui était le sanctuaire, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Nous sommes un peuple de sacrificateurs, constamment en devoir. Donc, ne pensez pas qu'il est primordial pour nous aussi de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. En fait, tout ce qui affaiblit notre relation avec Dieu, tout ce qui nous empêche d'avoir une bonne connexion. On a dit tantôt que c'est important pour le policier d'être en contact toujours avec le chef de police, avec la centrale. Et donc, pour les sacrificateurs, il y avait un rôle spécial envers le peuple. Ils devaient rester toujours en contact avec Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont pris un feu qui venait de leur tente à eux, parce qu'ils venaient trop fêter, ils avaient pris un coup. Ils étaient en état d'ébriété. Ils ont pris un feu pour gagner du temps. « Regarde, là, on n'a pas de temps à perdre. Là, on va prendre un feu étranger. On va l'emmener, ça va prendre moins de temps, tu sais, parce que sinon, il fallait qu'il souffle. C'était long, rallumer le feu. » Puis ils ont gagné du temps comme ça, puis ils ont manqué de discernement entre ce qui est sacré, parce que c'était très solennel ce qu'ils faisaient dans le temple, et ce qui est profane. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'en tant que peuple de sacrificateurs, nous devons aussi prendre très au sérieux de bien distinguer ce qui est sacré de ce qui est profane. Donc, si pour eux, c'était important de se tenir loin de l'alcool, que ça ne pourrait pas être la même chose pour son peuple au temps de la fin. Donc, moi, je vous lance l'appel à vous maintenant de voir ce que Dieu vous dit. Donc, je vous dis qu'il est vital de rester en contact avec Dieu. Puis quand on prend un petit coup, hein, on ne veut pas, ça vient changer un peu notre mental. On n'est plus capable de discerner autant le sacré du profane. En fait,
Essayez de lire votre Bible quand vous êtes dans un état d'ébriété. Ça va être difficile. Et vous savez, on voit la même chose avec la mère de Samson. Connaissez-vous Samson? Dans la Bible, on nous parle de Samson. C'est lui qui a commencé à délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Qu'est-ce qui est arrivé avec Samson? Puis on va voir aussi Jean-Baptiste après. La mère de Samson, dès que Samson était dans le ventre de sa mère, il est dit « Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. On parle de préparation pour la fin des temps, pour le temps de la fin dans lequel nous sommes. Et il y a une préparation ici qu'il devait avoir, lui, Samson, et même sa mère. Par deux fois, l'ange de l'Éternel est venu et lui a révélé qu'elle devait s'abstenir d'alcool et aussi d'aliments qui seraient impurs. Pour quelle raison? Dans Juges 13, 7, oui, c'est ça qu'on vient de lire, c'était important pour sa préparation parce que Dieu savait qu'il était dans son ventre. Une mère qui a des enfants, aujourd'hui, on le sait, elle ne devrait pas prendre de boisson enivrante parce que ce n'est pas bon pour l'enfant. Mais c'était une consécration à Dieu qu'elle devait avoir, cette dame. Et dans le manger, dans le boire, ça a une importance pour Dieu. Très important dans la préparation de son peuple pour le temps de la faim, le manger et le boire. Vous connaissez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son rôle, c'était quoi? Il a baptisé, puis il devait aussi préparer la venue, la première venue de Jésus dont Marlène nous a parlé hier. Jésus avait un rôle, Jean-Baptiste avait un rôle bien spécial. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a eu comme préparation? On va aller voir un texte ici, dans Marc 1, 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Sa nourriture et son alimentation étaient spéciales. Il mangeait, ça dit sauterelles et miel sauvage. En fait, il mangeait aussi des produits végétaux. Il mangeait tout ce qui était végétal. On pourrait étudier plus le texte, la signification des mots ici, pour bien comprendre. Puis il y avait aussi un vêtement qui n'était pas un vêtement qui attirait l'attention, un vêtement qui le gardait en bonne santé. Et dans un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Conseils sur les aliments et la nutrition » qui vient du même auteur ici que le livre que ce matin Alain nous a cité quelques passages, le livre de Ellen White, elle a eu certaines révélations sur l'alimentation. J'aimerais vous lire un texte qui nous parle de Jean-Baptiste. Dans « Conseils sur les aliments et la nutrition », ça dit « Pendant de longues années, le Seigneur a dirigé l'attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l'œuvre de préparation pour le retour du Fils de l'homme. » Donc, d'après ce qu'elle nous dit ici, un des éléments principaux pour la préparation, j'aimerais dire physique, parce que là, on est dans la préparation de notre corps, pour le retour du Fils de l'homme, mais c'est la réforme sanitaire, donc la réforme de l'alimentation. Parce qu'on est un tout, notre corps. Hein? Tu sais, on dit souvent, « Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire qui tu es. » On le voit, quand un enfant mange beaucoup de sucre, comment il est? Il est turbulent. Il y a vraiment un lien entre ce qu'on mange puis notre caractère. Et Dieu, à la fin des temps, prépare un peuple. Et ce qu'il va faire avec son caractère, c'est qu'il va mettre les mêmes sentiments qu'il avait en Jésus. Un caractère qui va être devenu doux, patient, rempli d'humilité. Et l'alimentation, j'aimerais vous dire, a un rôle à jouer par rapport à notre caractère. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici de plus? C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours. Vous savez, c'est quoi un type, un antitype? Lui, c'est le type, et l'antitype, bien, c'est ceux qui vont vivre au retour de Jésus. Nous sommes appelés à être un peuple d'Élie, un peuple de Jean-Baptiste. Élie, il y avait un individu. Dans le temps de Jean-Baptiste, il y avait un individu, mais à la fin, il y a un peuple au complet, qu'on appelle aussi les 144 000, qui, d'après moi, n'est pas un nombre littéral, mais un nombre, il va avoir un nombre symbolique, mais un nombre, une qualité de personnes qui vont être comme Jésus, qui vont... amener le peuple à préparer, ils vont préparer le peuple pour la deuxième retour de Jésus, la deuxième venue de Jésus. L'Élie des derniers jours, qui vont avoir une mission de présenter
les vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avènement de Christ. Jean était un réformateur. L'ange Gabriel, spécialement envoyé du ciel auprès du Père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin, ni boisson enivrante, et qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. La simplicité de son vêtement. La simplicité de son vêtement fait de poils de chameau était un reproche permanent à l'égard des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Aujourd'hui, on n'a pas d'habits en poils de chameau à mettre, mais on comprend ce que ça veut dire. Ce n'est pas dans l'apparence des vêtements et un vêtement qui met les regards plutôt sur le vêtement que sur le caractère ou sur la personne. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici avec la simplicité du vêtement que Jean-Baptiste avait. Et son régime était composé de quoi? De végétaux, de sauterelles et de miel sauvage, qui constituait une censure de la satisfaction des appétits et de la gourmandise qui prévalait partout. Le prophète Malachie, dans l'Ancien Testament, déclare « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Dans Malachie 4, 5, 6, vous pouvez trouver ce verset. Le prophète décrit la nature de cette œuvre. « Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle à l'image de Jean qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. » Donc, le peuple de Dieu à la fin va avoir le même esprit qu'Élie, même esprit que Jean-Baptiste. Et on voit ici l'importance de la préparation de Jean-Baptiste, d'Élie, de Samson, des sacrificateurs, par rapport aussi à notre corps, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Il y a une importance de tout ça par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous utiliser comme un instrument pour lui. Et étant donné qu'on est un tout, bien, si notre corps est, on est toujours endormi par le manger et boire, on est toujours en état d'ébriété, comment est-ce qu'on pourrait bien représenter Dieu auprès du peuple, auprès du monde? Donc, l'Élie des derniers jours, c'est son peuple, un petit reste. Puis il y a une préparation spéciale pour cette œuvre solennelle qu'il veut faire avec son peuple. Jésus revient très bientôt, mes amis. Il est temps de prendre au sérieux ces avertissements. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être vous le savez déjà, en fait, que l'alcool, que la nourriture, c'est quelque chose qui peut nous tirer vers le bas, qui nous amène vers la dépression, ou peu importe. Vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, Jésus revient tellement, c'est tellement imminent que reportez pas plus tard la décision de demander à Dieu qu'il vous guide par rapport à ces choses, de prendre au sérieux la préparation qui est nécessaire pour son peuple. Parce que, vous savez, il y a une époque de détresse qui est devant nous, plus grande que qu'on n'aura jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Puis ça, on peut le voir dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 1. Il nous est dit, « En ce temps-là, se lèvera Michaël. » Ce temps-là, c'est le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes privilégiés, vous savez, de vivre dans ce moment où Jésus, on va le voir revenir de notre vivant. On y croit, mes amis, qu'il va revenir très bientôt. Mais en même temps, cette époque-là va être une époque, la Bible nous dit, Michaël, qui est le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Une époque de détresse sans précédent, jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Pour toute la terre, il n'y aura pas un pays où on va pouvoir aller pour se sauver. Tous les pays du monde vont se rallier ensemble puis vont faire la guerre, en fait, à un reste des enfants de Dieu. Puis Daniel, vous savez, c'est un type aussi des vivants au temps de la fin. Quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte que c'est un livre prophétique. Et un livre qui fait écho au livre de l'Apocalypse. Quand on met les deux livres ensemble, là, on peut mieux comprendre les prophéties. Puis, il y a un chapitre dans ce livre-là que on se dit, pourquoi il est dans ce livre-là? Parce qu'il y a beaucoup de bêtes, hein, de cornes, et de puissance et de visions que Daniel a eues. Le chapitre 1, il nous parle de quoi?
Avez-vous déjà lu le chapitre 1 de Daniel? Bien, il nous parle de nourriture, ce chapitre-là. C'est étrange, hein? Daniel, pour devenir le prophète qu'il est devenu, pour pouvoir interpréter les rêves du roi Nebuchadnezzar, il y a eu une préparation qu'il y a eu. Daniel est un type des 144 000, de ceux qui vont vivre juste avant le retour de Jésus. Et étant donné que Daniel, c'est un livre prophétique, le chapitre 1 aussi est un chapitre prophétique. Parce que Daniel est un type, et on doit vraiment l'étudier, ce chapitre-là, pour le comprendre. On ne peut pas l'enlever de la prophétie. Donc, ce chapitre-là nous parle de nourriture. Qu'est-ce qui est arrivé avec Daniel? Daniel, c'était un Israélite, un Hébreu, qui vivait, je dirais, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël était un peuple qui s'était écarté de Dieu. Mais il y avait encore des gens qui étaient fidèles, dont Daniel et ses trois amis hébreux. Il faisait partie de la bourgeoisie, Daniel. Il était sûrement dans une famille fortunée. Puis il y avait des connaissances. Il y avait il savait lire. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qu'il savait, Daniel. Mais il était jeune. Puis Daniel, quand les Babyloniens ont envahi Jérusalem, ont pris la ville de Jérusalem et le temple, ils ont fait des captifs. Et parmi les captifs, il y en a qui étaient beaux de figure, qui étaient des gens nobles et doués de connaissances. Et ils ont emmené à la cour du roi. C'était la manière de faire, parce que si tu voulais assimiler un peuple, tu prends l'élite du peuple et tu l'amènes à la cour du roi, tu lui montres, tu en fais de lui un Babylonien, en fait. Donc, Daniel et ses trois amis hébreux étaient à la cour du roi, et quand ils sont arrivés à la cour du roi, bien, il y avait le privilège de manger les mets du roi. Formidable, hein? La meilleure nourriture que tu n'as pas en Babylone, la table du roi, là, c'était pas juste pour le roi, c'était aussi pour ceux qui étaient à la cour du roi. Et le vin du roi. Qu'est-ce que Daniel a résolu de faire? Parce que lui, ce n'était pas l'alimentation qu'il était habitué. Ses parents lui avaient donné une alimentation, comme on voit dans la Bible, plutôt végétarienne. Une alimentation, il ne prenait pas d'alcool non plus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le chef des eunuques, c'était lui qui avait la garde de ceux qui étaient à la cour du roi, les jeunes qui devaient élever pendant 3 ans, je pense. Après, il allait le présenter au roi. Et c'est toute qu'une offense, là. Les mets du roi, c'est un privilège. Puis lui, il n'en veut pas. Là, le chef des eunuques, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Au verset 9, « Dieu fit trouver à Daniel la faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Et lui, il a chienne, là, comme on dit en québécois. Hein? Il voudrait pas que... Il traite mal certaines des personnes qui sont là pour être amenées à la cour du roi. Qu'est-ce qu'il va dire Daniel? Intéressant. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et Azaria, les quatre hébreux. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. C'est comme s'il fait un garde, donne-nous 10 jours, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours, donne-nous des légumes à manger. Puis en fait, j'ai mis ici le mot en hébreu, c'est le mot zeroa. Zeroa. C'est un mot qui se retrouve juste dans le livre de Daniel. En fait, la racine hébreu là, de ce mot-là, c'est zara. Puis on trouve ça dans la Genèse aussi. Je vais vous montrer le verset. Mais en fait, eux, ils nous amènent, ce qu'on a parlé tantôt, une genre de réforme alimentaire qu'on propose, dans le fond, pour le peuple de Dieu. Lui, il pratiquait déjà la réforme alimentaire. Il avait déjà eu des informations par rapport à ça. Puis, avant de devenir un instrument puissant pour Dieu, Daniel a été préparé à ce niveau-là, au niveau physique, au niveau de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Puis le mot « zara »,
Zeroa, qui vient de Zara en hébreu. Je vous dis, on le trouve dans Genèse. Genèse 1, parce que Dieu, c'est lui qui est notre créateur. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous a créés. Quand vous achetez une voiture, allez-vous mettre n'importe quelle huile ou essence dedans? Vous allez aller voir le manuel d'instruction de la voiture pour savoir quoi mettre dans la voiture. C'est la même chose pour nous. Dieu nous a créés, il sait comment on est fait, il sait avec quoi on fonctionne bien. Donc, il nous a donné, dans les Saintes Écritures, le manuel d'instruction, il nous a tout donné. Il nous a dit qu'est-ce qu'on devrait manger pour être en bonne santé. Ça vaudrait la peine d'aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Dans Genèse 1, 29, il est dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, c'est le mot Zara, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, c'est le mot Zara, ce sera votre nourriture. » Donc, de l'herbe qui porte de la semence, ça serait quoi, ça? Des grains? Des grains, par exemple, hein? Ça porte des semences. Donc, les céréales, les grains, ça devrait être la base de notre alimentation. Et aussi, des fruits d'arbre qui portent de la semence, ça serait quoi, ça? Bien, une pomme, par exemple, hein? Tous les fruits. Ça porte des mangues. Il vient des Antilles, lui, hein? Les mangues, ils doivent être bonnes là-bas. Donc, il mangeait des grains, il mangeait des fruits. Puis plus tard, après le déluge, il va leur permettre aussi de manger des herbes, comme on apprend que c'est des légumes, là, tu sais, les céleris, les carottes, les patates. Ça devrait être notre alimentation. Et Daniel, c'est ce qu'il pratiquait, lui, comme un bon hébreu qui avait bien appris la leçon de ses parents. Et c'est ce qu'il voulait manger. Il savait que son corps fonctionnait bien avec ça. Donc, il ne voulait pas se souiller par les mets du roi. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Est-ce que l'eunuque, il va leur accorder, on va voir, il va leur accorder la demande de 10 jours d'épreuve. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. N'oubliez pas que Daniel, c'est un type de ceux qui vont être vivants avant le retour de Jésus. Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ici, plus d'embonpoint, ça veut dire qu'ils étaient bien portants. Ils n'étaient pas fatigués, ils étaient en bonne énergie. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Les légumes, c'est ce qu'on a vu tantôt, ce que c'était dans Genèse 1. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amena le chef des... pour qu'on les lui amena, au terme fixé par le roi pour qu'il amène les jeunes Hébreux et les autres qui étaient à la cour du roi, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Ils sont appelés à aller devant le roi. Wow! Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, tous ceux qui avaient amené et qui avaient été élevés à la cour du roi, avec les mets du roi, sauf eux, hein, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Wow! Vous ne trouvez pas ça étonnant comme texte? Alors moi, je trouve ça renversant. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu vous dit à vous? Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là qu'on reçoit des Saintes Écritures? C'est à nous de voir. Chacun pour soi. Ici, vous voyez, on sert des mets végétariens. Peut-être que vous allez aimer ça, puis ça vous donne le goût d'en savoir un peu plus, puis de tranquillement changer votre alimentation. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai changé mon alimentation, puis je veux dire, je m'en porte bien. Je ne manque pas d'énergie. Puis c'est de l'essayer, peut-être. En tout cas, je vous encourage, mais sachez que Daniel, c'est un type de ceux qui vont vivre au retour de Jésus. Donc, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. Demander à Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Puis, il est très important, ce chapitre-là, parce qu'on découvre que dans la préparation, c'est essentiel pour que Dieu puisse utiliser Daniel. Il avait besoin pour l'utiliser, il avait besoin d'être préparé à ce niveau-là, au niveau physique, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Puis, Daniel, après, il a été un instrument puissant pour Dieu. Hey, les révélations qu'il a eues étaient puissantes. Dieu lui a donné parce que le canal avec Daniel était facile. Dieu pouvait parler à sa conscience. Il pouvait lui révéler des choses. Parce qu'il n'était pas toujours
endormi, parce que parfois on est endormi par le manger et le boire. Lui, son esprit était frais, dispos, était sain. Et quelle a été la préparation de Jésus lui-même avant de débuter son ministère public? Jésus a débuté son ministère public à 30 ans. Puis à 30 ans, il a été conduit dans le désert. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Il a jeûné. Il a vraiment eu une préparation spirituelle, mentale et physique. Le jeûne nous amène toute cette préparation-là. Et on peut voir ça dans les Saintes Écritures, dans Matthieu 4, 1 et 2. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » J'espère, après 40 jours et 40 nuits. Hein? 40 jours, 40 nuits, ça c'est 6 semaines. Je ne pense pas que Dieu nous appelle à jeûner 40 jours. C'est un peu, on va dire, extrême, là. En fait, moi, j'ai fait des cours de biochimie à l'université, puis je me suis rendu compte que 40 jours, c'est le maximum. En général, là, on ne peut pas aller plus loin que 40 jours. Biochimiquement parlant, là, essayez pas ça. Mais 40 jours même, je ne vous encourage pas à essayer ça. Peut-être on peut commencer par un repas, une journée, commencer tranquillement. Mais le jeûne a un grand bienfait sur l'organisme. Et on se rend compte que, bien, en tout cas, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans notre monde du jeûne, on voit les bienfaits. Mais ça fait partie, dans la Bible, Jésus lui-même a jeûné 40 jours. En fait, toutes les civilisations, toutes les sociétés ont toujours eu dans le jeûne comme moyen de se guérir. On est à peu près la seule civilisation qui a pratiquement oublié les vertus du jeûne. Donc, c'est une chose importante aussi pour la préparation de son peuple au temps de la fin. C'est un peuple qui va apprendre à jeûner. En fait, vous savez, c'est quoi la première séduction de Satan à nos premiers parents? C'est une question de nourriture. Ben oui, la bouffe. Le serpent ancien à nos premiers parents, il leur a montré un fruit qui avait l'air bon à manger. Ça les a tentés. C'est juste un petit clin d'œil, hein? Mais la victoire sur nos appétits est déterminante en ces temps de la faim. C'est pas F-A-I-M, là. C'est temps de la faim, F-I-N. Déterminant d'avoir la victoire sur nos appétits. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais est-ce que Dieu, on va le laisser maîtriser nos appétits? Mon Dieu, enlève toute résistance en moi. Fais ta volonté en moi. Puis Dieu va nous montrer que c'est pas le corps qui doit mener, c'est pas nos appétits qui doivent nous mener. Le jeûne, moi, m'a appris ça. J'ai déjà jeûné, pas 40 jours, là, mais quelques jours. Et après quelques jours, on se sent vraiment bien. Hein. Je vous encourage à essayer. Après 3 jours, là, on n'a plus faim. Puis on apprend que ce n'est pas le corps qui domine. Puis je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'extrême que je vous parle là. Hein. C'est quelque chose à essayer, puis à prier Dieu pour vous montrer, pour qu'il vous montre lui-même qu'est-ce qu'il attend de nous. Puis au temps de la faim dans lequel on est, je pense qu'il y a vraiment une importance à se pencher, à étudier un peu plus c'est quoi les bienfaits du jeûne. La victoire sur les appétits. Si l'Esprit de Christ lui-même vit en nous, c'est lui qui va avoir la victoire en nous, n'est-ce pas? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Et c'est lui qui va réussir à faire des victoires qui peut-être aujourd'hui vous vous dites, « Hey Sébastien, ce que tu nous dis, c'est bien que trop pour moi, pas boire d'alcool, un régime plutôt végétarien et jeûner, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est bien que trop, je ne serai jamais capable. » C'est vrai, si on regarde à nous-mêmes, on ne sera jamais capable. Mais si on demande à Dieu, n'est-ce pas que tout est possible? Avec Jésus, il n'y a rien n'est possible. Si, en plus, c'est son esprit qui vit en nous, bien, c'est lui qui va le faire en nous. C'est lui qui va nous amener à être capable. C'est lui qui va avoir la victoire en nous. Y croyez-vous? Oui. Qui peut avoir la victoire en vous? Et le caractère du peuple de Dieu à la fin, ceux qui vont être appelés à proclamer le dernier message au monde, va devoir être un caractère qui n'est pas emporté, qui est capable de se maîtriser, qui est rempli de douceur, de patience. Dieu veut mettre sa paix en nous. Puis bien, la partie physique, bien, Dieu s'en occupe aussi. Il ne s'occupe pas juste du spirituel, parce que Dieu, il est notre créateur. Il sait de quoi on est fait. Il sait de quoi on a besoin. Donc, moi, je vous donne un appel vraiment à prendre ça au sérieux, ce que je vous amène aujourd'hui. Puis, regardez pas à vous-même, parce que vous ne serez pas capable d'arriver à ce que je vous dis. Mais si vous regardez à Jésus, tout devient possible, tout devient même assuré en Christ. Si c'est lui qui vit en vous, lui, il va le faire en vous. Vous savez, Luther disait, je vais essayer de me souvenir, il dit,
Si je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je pourrais être sauvé. Vous savez ce qu'il dit ensuite? Mais si je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je pourrais être perdu. C'est formidable, hein? Donc, regardons à Christ pour tout. On ne peut pas douter qu'il va accomplir le miracle en nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter de résister, en fait. Et que dit Jésus sur les temps de la fin? Dans Matthieu 24, au verset 3, il dit, « Il s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Les disciples voulaient savoir. Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Matthieu 24. Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que qu'un commencement de douleur. » Peut-être la fin, on n'aime pas ça parce que déjà, il me semble qu'il y a beaucoup de choses pas intéressantes, puis là, on dit que c'est juste le commencement des douleurs. Mais on comprend pourquoi ça prend une préparation. Il va y avoir des catastrophes, des guerres. Ça va nous prendre la vigueur, des forces. Donc, on doit avoir une bonne alimentation qui nous garde avec la vigueur. Il va y avoir aussi des épidémies ou des pestes. On voit ça ici, hein? On en a eu des épidémies dernièrement, puis on se rend bien compte que l'idéal, ce n'est pas de se retrouver à l'hôpital, d'avoir un système immunitaire qui est fort. Si on s'alimente bien, notre système immunitaire devient de plus en plus fort. On évite d'aller à l'hôpital. On ne voudrait pas y aller. Peut-être qu'un jour, on ne pourra même plus y aller à l'hôpital. Tenir loin aussi, on nous parle de la famine. Famine. On nous parle aussi que ça va être juste le commencement des douleurs. Ça veut dire que... le commencement des douleurs, c'est ça. On va devoir peut-être à un moment donné vivre la disette, les famines. On comprend peut-être que ça va être important de savoir jeûner. Si on saute un repas, moi, je veux dire, des fois, j'allais jeûner quand j'étais au travail, puis les gens me disaient, hey, moi, si je saute un repas, je pense que je vais mourir. Il arrivait 2 heures de l'après-midi, puis il n'avait pas pu manger parce qu'on avait une réunion trop longue, puis il était en train de défaillir. Si c'est notre cas, bien, prions Dieu. Parce que si on est à quelques heures de mourir parce qu'on n'a pas mangé, on a peut-être besoin que Dieu nous aide à comprendre que non, la nourriture, on ne va pas mourir si on ne mange pas. La seule chose, en fait, qui empêcherait qu'on jeûne, c'est la peur. Si on enlève la peur, on peut jeûner. Mais commencez tranquillement. Sautez un repas, peut-être 2 repas. Puis demandez à Dieu qu'il vous éclaire. Puis Dieu va vous éclairer. Puis dans les temps dans lesquels on vit, la famine, peut-être qu'on n'aura pas toujours la nourriture à laquelle on est habitué. Peut-être qu'on va devoir manger très simplement. Parce que il y a une pénurie qui s'en vient dans notre monde. Moi, je travaillais dans l'industrie alimentaire, on le voyait, il y avait déjà des ingrédients qui nous manquaient. Parce que la chaîne logistique est tellement tout interreliée aujourd'hui que pour faire un produit, nous, ça nous prenait par exemple 20 ingrédients. S'il en manquait un, on ne pouvait plus le produire. Ça veut dire qu'il y a plein d'aliments aujourd'hui qu'on a à l'épicerie qu'on ne pourra plus avoir dans ce qui s'en vient. Il y a un moment il y a une famine qui s'en vient dans notre monde. Puis de vivre, de manger simplement, d'apprendre à cuisiner des choses qui sont toutes simples, qu'on peut avoir en grande quantité, en vrac. Par exemple, des lentilles, je ne sais pas, des flocons d'avoine, des pommes de terre, par exemple. Apprendre la germination, la fermentation. C'est des choses que Dieu veut qu'on devienne bon à connaître. Il nous a donné cette connaissance-là. Apprenons comment bien s'alimenter avec des aliments simples, nourrissants, faciles à produire. L'autre question qu'on peut se poser, parce que là, on voit qu'il va y avoir des famines, on devrait peut-être faire quelques réserves, mais est-ce que ce serait une bonne chose de faire des réserves? Tu sais, si je vous dis, si vous restez en Floride, puis on sait qu'il y a des ouragans qui passent en Floride, puis on vous dit dans une semaine, il y a un ouragan majeur qui s'en vient, vous allez faire quoi comme les Floridiens? Vous allez peut-être aller à l'épicerie, vous chercher un peu de nourriture pour vivre quelques semaines, n'est-ce pas? Peut-être vous allez placarder votre fenêtre. Il y a une préparation que vous allez faire. Moi, si je vous dis que Jésus revient bientôt, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? On va attendre qu'il arrive. Il y a une préparation à faire. Est-ce que ça serait une bonne idée d'avoir un petit peu de nourriture simple chez nous? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des moments de trouble. On sait qu'il va y avoir de la famine. C'est prophétisé. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Donc, on devrait se préparer, n'est-ce pas?
faire quelques réserves judicieuses. Ou peut-être on se dit, ben non, Dieu va prendre soin de moi. Il y a des gens qui me disent ça, ben Dieu va prendre soin de moi, il va s'occuper de moi. C'est vrai, il s'occupe déjà de vous. Écoute, il a nourri Élie dans le désert par un corbeau qui en est de la nourriture à chaque jour. Mais dans la Bible, est-ce qu'on serait quand même pas... Parce qu'à la fin, à la toute fin, avant qu'il revienne, il va y avoir des fléaux qui vont tomber sur la terre. Cette période-là, oui, il va prendre soin de nous. Mais avant, il y a des moments de trouble qui vont y arriver. Ou est-ce que, oui, on va devoir avoir quelques réserves judicieuses. La Bible nous parle aussi de ça, des réserves qu'on devrait avoir. Est-ce que vous avez des exemples bibliques qui nous montrent que Dieu a parfois donné des instructions de se faire des réserves? Noé? Ben oui, Noé. Il devait entrer dans le bateau avec des animaux. Puis il a pris de la nourriture pour tous les animaux, puis pour lui, pour vivre quand même un bon petit bout de temps, parce que le temps que les eaux se retirent, ça a pris un certain nombre de mois. Ils ont survécu grâce à leur réserve. Oui, Dieu aurait pu prendre soin d'eux, miraculeusement, mais il leur a demandé de faire des réserves. Parce que Dieu veut faire appel à notre bonne volonté aussi, il veut qu'on puisse contribuer. Puis j'ai un autre exemple à vous montrer aussi, que Dieu a demandé de faire des réserves. Vous connaissez Joseph? Joseph avec Pharaon. Joseph qui avait été, par jalousie, donné par ses frères, les fils de Jacob, puis il avait été emmené, puis il était devenu esclave, puis finalement, parce que lui, il avait résolu de rester fidèle à Dieu, Joseph pouvait lire les rêves aussi. Puis, par un miracle, il s'était retrouvé à la cour du roi en train d'interpréter le rêve de Pharaon. Là, je vous fais une histoire très rapide. Mais il devait décrire le rêve de Pharaon, le songe que Pharaon avait eu. Et ça, c'était en Égypte ancienne. Puis qu'est-ce qu'il avait rêvé, quel était le rêve de Pharaon? Il avait vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et il avait vu aussi 7 épis beaux, puis 7 épis vides. Puis là, bien, Joseph est arrivé à la cour du roi, puis il n'y avait personne qui pouvait dire au Pharaon qu'est-ce que ça voulait dire, son rêve. Il voulait savoir. Puis là, bien, ils ont fait venir Joseph, qui était un esclave hébreu, dans la prison. Ils l'ont sorti de sa prison parce que le pharaon avait entendu dire que lui, il pouvait interpréter les rêves. Puis là, il est venu à la cour du pharaon, puis il a expliqué au pharaon le rêve. Il dit, « Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Verset suivant. « Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Si cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. La chose est certaine, ça va arriver. » Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Pharaon avec cette information-là? Mais avant, Joseph va lui donner un conseil. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. C'est un bon conseil, hein? Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Intéressant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Pharaon va faire avec cette information-là? Il va dire, bien, il n'y a personne d'autre que cet homme-là. Il est tellement rempli de sagesse, il a nommé Joseph, lui, un esclave hébreu, à la tête. Il était second après Pharaon. C'est lui qui est devenu, comme on va dire, le premier ministre de l'Égypte de l'époque. Puis il l'a mis en charge de tout organiser pour que pendant les 7 années d'abondance qu'il y a eu, qu'il y avait beaucoup, beaucoup beaucoup de grains, ils ont entreposé le grain et les produits pour nourrir les gens dans des grands greniers, dans des silos. Puis après, pendant 7 années de famine, il y avait de quoi vivre.
Bien, c'est Dieu qui avait donné cette révélation-là, de faire des réserves. Donc, est-ce que ça serait sage pour nous aussi de faire des réserves? Je veux dire, il y a un exemple ici dans la Bible. Surtout que, vous savez que ce qui est prophétisé pour, à la fin des temps pour son peuple, Alain l'a évoqué un petit peu ce matin, son peuple ne pourra plus acheter ni vendre à un certain moment. Et on retrouve ça dans Apocalypse 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. Ce matin, on a vu un peu c'était quoi la marque de la bête, n'est-ce pas? Et il y a un moment où on ne pourra plus acheter ni vendre si on veut rester fidèle à Dieu. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée d'avoir quelques réserves, n'est-ce pas? Mais je ne vous parle pas de ça avec des motifs d'autopréservation. Si ce qui nous préoccupe, c'est de sauver la vie, peut-être que ce n'est pas la bonne motivation. Mais Dieu veut qu'on ait de l'intelligence. Et il veut qu'on puisse étudier les Saintes Écritures. Et il nous montre des histoires qui nous montrent que ce serait une bonne idée d'avoir quelques réserves. Si ce qui nous motive, c'est de sauver notre vie, je vous dis que ce n'est peut-être pas la bonne motivation. Il y a un texte de la Bible qui nous parle de ça dans Luc 17. Il est dit, « Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la conservera. » Quel genre de réserve on pourrait faire? Tantôt, j'ai évoqué quelques éléments. Moi, j'ai un endroit qu'on achète, en plus de la bonne nourriture biologique, des gros sacs qu'on a achetés l'autre jour d'une poche de lentilles. Vous savez que les lentilles, on peut les faire germer en plus, hein? Je sais que Nathalie fait de la germination. Et on peut prendre... j'ai acheté aussi une poche de flocons d'avoine le matin, hein? C'est très nourrissant. Du riz, du bon riz là, complet, là, hein? Bon, c'est pas obligé d'être très compliqué, hein, ce qu'on mange. Puis si vous avez un jardin, essayez de l'agrandir. Puis de cultiver vous-même certains végétaux qui vont vous donner des bonnes vitamines fraîches. Qu'est-ce qu'on pourrait cultiver? Moi, j'aime bien cultiver les courges chez moi. Les courges, on peut les garder pendant plusieurs mois en plus. C'est plein de vitamine A. C'est très bon en plus, hein? C'est très, très savoureux. Les pommes de terre, on peut vivre longtemps. On ne vivra pas bien, mais on va vivre, on va survivre. Donc, ça serait judicieux de pouvoir savoir comment faire des conserves pour en avoir toute l'année, des fermentations qui vont avoir des bonnes bactéries à l'intérieur et de la germination, de la choucroute, hein, du chou, c'est facile. Donc, quelques réserves, mes frères et sœurs. Quel est le meilleur endroit maintenant pour se préparer physiquement, mentalement, spirituellement? Est-ce que c'est entassé dans des grandes villes? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça? Vous savez... la servante du Seigneur, la même qui a écrit ce livre-là, elle a écrit beaucoup, hein? C'est une des écrivaines les plus prolifiques de notre histoire. Elle a écrit, à tous les jours, elle écrivait beaucoup. Elle a donné certaines instructions que vous pourrez juger si ça a du bon sens ou pas, d'accord? Je vous mets à l'écran. Elle dit, « Cette instruction continue à nous être donnée. Éloignez-vous des villes. Établissez vos sanatoriums, vos écoles, vos bureaux, loin des centres peuplés. » Actuellement, plusieurs demandent à rester en ville, mais le temps n'est pas éloigné où tous ceux qui voudront éviter la vue et l'ouïe du mal devront se rendre à la campagne, car la méchanceté et la corruption vont atteindre un tel degré que l'atmosphère en sera polluée. Vous savez, elle a écrit ça en 1907. Aujourd'hui, on est rendu pas mal plus loin dans notre monde, dans le mal, n'est-ce pas? Et elle dit, hors des villes, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Donc, moi, je vous répète, ici, ce qui est écrit, puis vous pourrez juger par vous-même. Est-ce que ça ne serait pas judicieux de sortir des villes, des grandes villes, hein? Les tremblements de terre viendront, les inondations viendront. Et nous ne devons pas nous établir dans les villes méchantes où l'ennemi est servi de toutes les manières et où Dieu est si souvent oublié. Le Seigneur désire que nous ayons une vision spirituelle claire. Nous devons être prompts à discerner le péril qui accompagne l'établissement d'institutions dans ces villes mauvaises. Nous devons faire des plans judicieux pour avertir les villes et en même temps vivre là où nous pouvons protéger nos enfants et nous-mêmes des influences contaminantes et démoralisantes si répandues dans ces lieux. Elle dit aussi, « Abandonnez les villes aussitôt que vous le pourrez. Achetez un peu de terrain où vous puissiez avoir un jardin, où vos enfants puissent pouvoir s'épanouir, voir les fleurs s'épanouir et apprendre des leçons de simplicité et de pureté. » On est appelé à sortir des villes, en fait. Peut-être ici, à Québec, je ne sais pas s'il y en a qui restent à Québec. Oui, c'est quand même une ville d'une certaine importance. C'est encore une ville qui est assez tranquille, n'est-ce pas? C'est une ville plutôt de fonctionnaires. Déjà, Montréal, moi, quand j'y vais,
je ne m'y reconnais plus. Je vois toutes sortes de gens, je vois des choses bizarres. C'est un peu difficile pour moi, ça serait difficile de rester à Montréal. Je ne m'y reconnais pas. Là. Je me sens pas très bien. La vibration, comme certains disent, n'est pas très bonne pour moi à Montréal. Si vous allez dans des villes comme, je sais pas, Los Angeles, San Francisco, New York, des grandes villes comme ça. Non, vraiment, on est appelé à sortir de ces endroits, n'est-ce pas? Paris. Je ne sais pas si tu veux rester à Paris, mon frère. Oui, il reste en France, non. Vivre à la campagne. En fait, vivre à la campagne, ça intègre tout ce qu'on a vu dans les lois de la santé, dans les lois du mental. De pouvoir faire cultiver des légumes, c'est beaucoup plus facile à la campagne d'avoir un petit bout de terre. C'est le temps encore de sortir des villes, de perdre des plans pour prendre les ressources financières qu'on a puis répondre à l'appel. Vous savez, en plus, c'est moins cher d'aller acheter une maison ou une petite terre à l'extérieur de la ville, comme en Beauce ici. En ville, ça coûte cher. Quand on sort de la ville, c'est moins cher. Vivre à la campagne aussi, c'est un élément important dans le plan que Dieu a pour nous par rapport à notre caractère. Parce qu'il y a un impact de vivre à la campagne sur notre caractère. Quand on est dans la ville et qu'il y a toujours des sirènes de police et d'ambulance, ça vient que ça nous stresse. Ça a un impact sur notre caractère, sur la négativité qui peut être en nous. Donc, Dieu veut former son peuple pour la fin des temps et il appelle à sortir des villes et à aller vivre à la campagne. Donc, moi, je vous donne ça, mais je n'ai pas de jugement par rapport à vous, à où vous habitez. Vous entendez ce que je vous dis, vous en faites ce que vous voulez dans ce que Dieu vous révèle. Et c'est de l'information que je vous donne. On vient ici pour se préparer, n'est-ce pas, pour la fin des temps. Donc, je ne voudrais pas vous cacher certains éléments qui pourraient être importants pour notre préparation. C'est la seule raison qui me motive ici. Hein? Aucun jugement. Puis, on est un peuple qui va être appelé à proclamer le grand cri. Donc, on doit prendre au sérieux la préparation. Et c'est imminent, ce retour de Jésus. Le message de trois anges qu'on a vu ce matin est important et nous montre qu'il y a un grand cri qui s'en vient. Donc, en résumé, j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, mais j'ai vu que vous n'avez pas trop dormi. Je rends gloire à Dieu pour ça. Même mon frère en haut là-bas. Ah oui, il m'avait dit, c'est vrai. N'oublie pas de leur dire, parce que je lui ai dit que j'allais préparer de la préparation. Il dit, parle-leur de la réforme sanitaire, de l'importance de l'hygiène, de se laver les mains, tout ça. Des fois, on touche, on attrape plein de choses. Hein? Donc, je l'ai dit, Ronald. C'est important, c'est vrai. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Dieu va nous donner, si on le prie, qu'on peut dire à Dieu, éclaire-nous, puis brise en moi toute résistance sur ce que tu veux faire avec moi. Écoute, tu as un plan pour moi, mon Dieu. Tu veux m'amener là où je suis, à quelque chose, tu veux m'amener à un endroit que toi, tu vas m'amener, tu vas me montrer. Et la victoire sur les appétits, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, incluant le boire aussi. Le jeûne comme préparation. Faire quelques réserves, sortir des villes, vivre à la campagne. Mais toutes nos énergies, toute notre richesse, on devrait la mettre à cette préparation-là. Parce qu'il reste peu de temps. Qu'est-ce que ça donne, moi, que j'aille de l'argent à la banque pour mes vieux jours? En fait, j'ai même décidé, moi, de prendre mon argent pour acheter une terre, puis de prendre ma retraite. Mais ça, moi, c'est un peu fou, là. Peut-être que vous allez dire, Sébastien, wow, c'est trop pour moi. Mais j'ai senti l'appel, en tout cas. Si Dieu vous appelle, répondez à l'appel dans votre conscience. Si vous sentez un appel, on est bien mieux d'y aller que d'essayer de détourner le regard ou de faire comme si on n'avait rien entendu. Si Dieu vous parle à votre cœur, vous savez, il y a un exemple de Jonas. Il y a eu un appel d'aller avertir Ninive qu'elle allait être détruite. Il ne voulait pas y aller. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est passé trois jours dans le grand poisson. C'est un miracle, hein? Les gens disent, ça n'existe pas, cette histoire. Non, c'est écrit dans la Bible. Moi, je ne peux pas douter des Écritures. Même Jésus a parlé de Jonas. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait le grand poisson? Il a ramené Jonas sur la plage. Puis là, Jonas a compris, oui, regarde, c'est mieux de faire ce que Dieu demande. Et qu'il est allé. Peut-être que Dieu vous parle aujourd'hui. Puis il veut vous amener à mettre toute votre richesse, toute votre énergie à son œuvre. Peut-être que si vous avez les moyens d'avoir un endroit à la campagne, avec un coin de terrain où vous pouvez cultiver des légumes, peut-être qu'il veut que vous fassiez ça pour d'autres. Pas nécessairement juste pour vous. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir bénéficier de votre savoir, de vos légumes qui vont être cultivés avec... qui sait qu'est-ce que Dieu vous amène à faire? Et donc, il reste peu de temps, mes frères et sœurs. Le plus important dans toute cette préparation, c'est la motivation pour se préparer. Si on se motive juste parce qu'on a peur ou parce qu'on veut la récompense, c'est peut-être pas la bonne motivation. La bonne motivation,
c'est l'amour. Dieu nous a tellement touchés par son amour que maintenant, cet amour-là sort de nous, déborde. Puis on voudrait être utile pour les gens autour de nous. La motivation pour se préparer. Non pas pour nous sauver nous-mêmes, mais pour se préparer à aider les autres. Et ça, je pense que c'est le plus important. Qu'on apprenne à se tourner vers les autres et arrêter d'être tourné vers nous-mêmes. Et pas un principe d'auto-préservation, parce qu'on entend ça beaucoup dans notre monde aujourd'hui, des survivalistes, hein? Des gens qui vont capables de produire tout, puis c'est pour eux, tu sais. Puis même aux États-Unis, ils ont des guns, hein? Ils veulent se protéger leur famille avec des fusils. Si quelqu'un arrive pour prendre ma nourriture, hein, je sais quoi faire. Moi, je vous dis, si quelqu'un vient pour prendre ma nourriture, ouais. Ben prends ma nourriture, mon ami. Regarde, j'en ai même plus pour toi. Aidez les autres. Dieu va nous bénir. Ayons pas de crainte. Dieu est là, puis il nous parle. Il va nous mettre à notre conscience quoi faire, puis il va nous amener à avoir l'intelligence pour le faire. Il se prépare un peuple qui va aider les autres, puis un peuple qui va briller dans ce monde. Pas de sa propre lumière, de la lumière de Christ qui vit en lui. C'est de cette manière-là qu'on peut briller seulement. Et dans le monde de ténèbres dans lequel on vit, Dieu a bien besoin de cette lumière par un peuple de sacrificateurs, des ambassadeurs que nous sommes appelés à être. Et c'est ça ici qui est dit, hein? Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Donc, si vous faites des réserves, n'ayez pas peur qu'ils viennent vous les voler quand il y a la famine, vous allez même leur en donner. Les gens vont venir à vous pour avoir de la nourriture parce que vous vous êtes préparés. Puis ça va être un témoignage puissant pour sa gloire. Et les gens vont vouloir connaître qui est votre Dieu. Puis vous allez leur dire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, son agapé, un amour inconditionnel. Voilà la véritable motivation du chrétien, l'agapé, l'amour inconditionnel. Il dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et dans 2 Thessaloniciens 3, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et nous n'avons rien à craindre, car Jésus lui-même a promis. Il a donné plusieurs promesses dans les Saintes Écritures, hein, mais il y a une promesse que moi j'aime beaucoup. Il a dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je ne vais vous abandonner. Et de quelle manière Jésus est avec nous aujourd'hui, alors qu'il est présentement au ciel, hein? Physiquement au ciel? Il a dit, je vais vous envoyer mon esprit. L'esprit de qui? Son esprit, l'esprit de son, du Père, l'esprit du Fils. Ce matin, on nous a parlé de Trinité. Pensez pas que parce qu'on ne trouve pas la Trinité dans la Bible, qu'il n'existe pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit du Père, c'est l'esprit du Fils. Ce n'est pas un troisième Dieu, hein, n'est-ce pas? Vous ne trouverez jamais dans la Bible Dieu, le Saint-Esprit. Vous allez trouver l'esprit de Dieu, l'esprit du Fils, l'esprit de Jésus. C'est cet esprit-là qu'on a besoin en nous. L'esprit de Jésus en nous, l'espérance de la gloire. En fait, l'esprit en vous, de Jésus en vous, c'est comme si vous aviez la vie de Christ en vous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, hein, comme on l'a dit. Et il nous a promis qu'il allait envoyer son esprit sur son peuple et qu'il n'allait jamais nous abandonner. Moi, je crois qu'il est avec nous en ce moment, par son esprit, puis qu'il nous guide constamment. Et que même il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ne laissez personne vous dire qu'il s'agit d'un autre esprit que l'esprit de Jésus-Christ. Peut-être certains vont vous dire ça. Même des pasteurs peuvent vous dire ça. Vous savez, moi, je ne suis pas pasteur, hein, mais j'étudie la Bible. J'étudie ce que les pionniers ont donné à l'Église adventiste il y a longtemps, puis que malheureusement, on s'est écarté. On veut revenir à ce que nos pionniers avaient, puis que Dieu avait révélé. Christ en nous. Il dit ici, hein, je l'ai mis, Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On n'a rien à craindre. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça ne vous a pas fait peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte, nous dit le livre de Jean, 1 Jean. Donc, que Dieu nous guide, que Dieu, prions-le pour qu'il nous montre qu'est-ce qu'il attend de nous, puis il va nous le montrer. Puis je prie Dieu qu'il vous bénisse chacun de vous, qu'il vous protège de tout mal, puis qu'il vous donne l'intelligence pour qu'est-ce que Dieu veut pour ces temps de la fin. Qu'il nous guide pour la préparation avant son retour. Amen. On va faire une prière, si vous voulez bien. Je vous invite à, si c'est possible, à vous prosterner, à tout le moins à vous prosterner vos cœurs. Bon Père éternel, tu es vraiment un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui veut nous donner
ton amour, que nous puissions avoir cette motivation en nous pour tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Et bon Père, on a parlé cet après-midi de la préparation pour le retour de ton Fils Jésus. Et tu nous as montré par les Saintes Écritures différents éléments de préparation par rapport à notre alimentation, par rapport à ce qu'on peut boire, par rapport à certaines réserves qu'on pourrait faire et à quel endroit on devrait habiter. Et bon Père, peut-être qu'on entend ces choses et on ne sait pas par quel bout prendre tout ça. On a certaines habitudes que nous avons présentement et peut-être on se dit comment on va pas faire pour cesser ces habitudes. On n'y arrivera jamais. Mais on voudrait, mon Père, regarder à ton Fils Jésus, en tout temps, en toutes choses, et ne pas regarder à nous-mêmes. Et on sait que en Jésus, tout est possible. Et que c'est toi qui vas faire le miracle en nous. Et bon Père, amène-nous à notre esprit ce que tu t'attends de nous en ces temps de la fin. Que ça puisse devenir de plus en plus clair et qu'on puisse agir en harmonie avec ta volonté pour nous. Parce que tes plans pour nous, ce n'est pas des plans de malheur, c'est des plans de bonheur. Tu veux qu'on soit heureux et tu veux qu'on soit en paix. Et même si tout le monde pouvait s'écrouler autour de nous, toi, tu nous donnes ta paix. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Bon Père, je te prie qu'en ce moment, tu puisses remplir de ton amour, de ta paix et de ta joie chacun des participants ici. Et chacune des personnes aussi qui vont entendre ce message par Internet. Bénis chacun, mon Père, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus, qui est notre seul Sauveur. Amen.